récupérer notre coaché. Hello. Bonjour. Comment ça va? Ça va et toi? Ouais. Bonjour, ça va très bien. Aussi. Du coup, c'est parti pour ce coaching. Et c'est quoi la connexion, la collection de Hentai là? Ah non, c'est One Piece. C'est bien ce que je disais. C'est parti, le pseudo. FRT Benelka. Le péno, Paul, le poney, Paulet. Le pseudo, du coup, je disais. J'ai pas demandé ton password. Comment les gens t'appellent? Imaginons. FRT. FRT. Est-ce qu'il est possible que tu changes de pseudo à tout jamais? Il faut mettre des voyelles dans son pseudo, en fait. Hein. Ça vient d'où, du coup? De nulle part, c'est moi, j'ai tapé au hasard. Ah oui, ça, je te confirme. Ah oui, là, pour le coup, là-dessus, là, on te croit sans problème. Hein. Absolument. Prénom? Clémentin. Ta mère est là ou pas? Non. Ton père? Ça t'a dit comme ça? Non. Laisse-moi leur dire deux mots, s'il te plaît. Comme le pape à l'ancienne. Je suis Clémentin. Ok, ça marche. Super. Belle ref. Âge? 22. Ville? Belle-Neuve. Quoi? Belle-Neuve. Activité? Normal. Boucher. T'as pas des barils chez toi avec des humains dans... Non, je sais pas. T'es pas dameur. Non, je m'appelle pas Jeff, non. Allez, c'est parti, du coup, sur ce trêve de plaisanterie. Ton matériel. Souris, t'as quoi? Alors, souris Logitech G903. Attends, stop. C'est quoi cette merde, là? Logitech G903. Ah ouais, c'est comme la... Bon, c'est OK tiers. Clavier, t'as quoi? J'ai le Pro RKL. Logitech. C'est du mécanique? Ouais. Jérôme. Écran en Hertz, t'as quoi? 240. Ok, nickel. Tapis de souris. J'ai le Logitech par induction. Ok, ça marche. Casque, t'as quoi sur les oreilles? Le Logitech G Pro X? Ah ouais, quand tu déconnes pas, toi. Hein. Une fois que tu y vas, quoi. Et connexion en ping à Belle-Neuve, on a combien? 43, 46. Puis ça monte, ça descend. C'est... Ah oui, c'est pas ouf. Hein. Et pourtant, je suis sous fibre. Hein. Sensibilité horizontale, verticale, t'as quoi? Là, tu vas me tuer, là. Oula. Je suis à 12, 12 partout. Mais en DPI, je suis à 1006. Ok. As-tu déjà été émeraude? Oui, mais je suis diamant. T'es diamant, toi? Ouais. Mais diamant, un vrai diamant ou un diamant? Diamant 2. Tu m'as fait des games, du coup? Ouais. Tu me les as mis sur YouTube? Oui. Va falloir qu'on les regarde ensemble. À partir de émeraude plus... C'est moins intéressant de jouer ensemble. C'est pas sur du 1v1 qu'on va voir des trucs. Voilà. Ouais. Attends, mais diamant. Oui, diamant 2. Hein. J'ai mis bientôt pas, champion, quoi. Est-ce qu'on a en face de nous un gros mytho? Ou alors est-ce qu'on a un très très bon joueur? Peut-il expliquer le trou dans le bureau? Non, je peux pas. Ah. On n'avait pas vu ça, du coup. Fais-nous un tour de chez toi, s'il te plaît. Enlève les conifères. Enlève quoi? Non, rien, t'inquiète. Ah, ça va être chiant pour remettre la cam. Je sais pas si on voit, attends. 2 minutes. Voyons. Là. Hop. Voilà. C'est tout. Y'a que ça. FR. FR. FRT. Fais-moi voir ce bureau. Encore mieux. T'as pas vu? Reste, oui, reste deux petites secondes qu'on apprécie, s'il te plaît. Reste comme ça. Là. Ah ouais, là on voit pas sous le pied, mais il y en a un autre. Ouais, assis là. Mais de l'autre côté, y'a rien, c'est assis. Mais c'est des trous de tournevis, ça. Des quoi? C'est des trous de tournevis. Pourquoi des trous de tournevis? Fais voir de l'autre côté. Parce que je sais pas, Genre là, et par là, y'a des trous de tournevis. Mais c'est parce que, je sais pas, il devait traîner, il devait être énervé. Je vais te demander un truc que j'ai jamais demandé. Est-ce que tu as un casier judiciaire? Non. D'accord. Et est-ce que tout ça, c'est dû à Rainbow Six ou est-ce que c'est dû parfois à une masturbation excessive? Peut-être changer la souris et le... Et le bureau. Mais le bureau, du coup, je pense que ce serait pas mal, en fait. Hein.
Je me suis vachement assagi avec le temps, on va dire. Ah, bah merci. c'est cool. Dites donc, on va tous mourir. Donc du coup, 12-12, 1600 DPI. Bon, bah, je vais rien dire. Hein. Sur les, allez, 200 personnes que j'ai coachées. 200 personnes que j'ai coachées, c'est la première fois où j'ai dit, bah, c'est la première fois où je dis, je vais fermer ma gueule et tu vas me montrer. Au final, là, on rentre clairement dans l'exception, mais cette exception ne confirme pas forcément une règle au final. Avant, quoi, j'étais plus haut encore. Ok. Et le bureau, il était plus haut aussi, non? Ouais. Il a perdu 4 cm le truc. C'est avec ça que tu tapes sur le sur ton non, bureau. Non, c'est mon point. Il y a même la force, il y a la forme du point dessus. Mais non, c'est pas avec ça. Ok. Bon, sensibilité ADS, du coup, t'as combien? J'ai 29 en x1, 41, 41, 41, 57. Ok, donc c'est pour le moment, why not? Graphisme moyen en FPS, t'as combien? Je tourne à... Bah, je sais pas pourquoi en ce moment, je suis un peu baissé, je tourne à 200... La nouvelle mage, elle a fait perdre 100 FPS à certaines personnes, ouais. Ouais, je suis à 240 alors qu'avant je tournais en 300 tout le temps. Si des fois je descends à 220, je sais pas pourquoi. Ça dépend des maps. Ça, c'est pas terrible. Ouais, je savais même pas. Bah, c'est possible en vrai, parce que je bon, regarde pas à 24, mais... Ok. Graphisme moyen, du coup, bon, on va mettre 240. Polling rate de la souris, tu l'as mis à 1000. Le fréquence de rafraîchissement de la souris. Ton micro est un peu loin, frérot. Si, 1000, c'est bon. Cocktail Zolotov, c'est toi ? Zolotov ouais. Vient d'offrir 5 subs. Et pourquoi tu t'appelles Cocktail Zolotov ici et FRNTKPD 662 là ? C'est la vie. Il y a un truc. Toi, t'as des mecs dans. T'as des enfants dans ta cave, hein. C'est pas possible, hein. Il y a un truc nébuleux derrière ce mec, c'est sûr. Il va terminer dans I Am a Killer sur Netflix, lui. Je le sais. Garde ton argent, frérot. Achète un bureau, s'il te plaît. Tu nous feras tous beaucoup plus plaisir qu'en offrant des subs, en vrai. Fais une photo avant, après. Ça sera beaucoup plus satisfaisant pour nous, tu vois. Mais demain, il est changé, si tu veux. J'ai une planche en plus en réserve. T'as un bureau qui a plus de cratères que l'Ukraine en ce moment. Et t'as une autre planche pour le remplacer. Et tu l'as pas fait. Ouais, j'attends que ça se vautre. Elle est où ta boucherie? Ne prenez pas de viande là-dedans, les gars. C'est des humains. Ah non, c'est bio, sûr. N'achetez pas là-bas, c'est sûr et certain. Ah oui, oui, oui. Lui, il a c'est des jambes humaines. C'est sûr. Ah ouais. Il peut te chercher dans la vraie vie s'il passe pas champion après le coaching. C'est des humains. Je suis le gars le plus gentil du monde. Ah oui, bah ça se voit. Ça se voit, je veux dire, quelque part, hein. Ok, bureau-phobe, néanmoins. Fauve, ratio, t'as combien? Alors, FOV, je suis à 90. Ouais, 4 tiers? Ouais, 4 tiers. C'est quoi ta map favorite? Coastline. Ah, vas-y. C'était soit border, soit coastline. Objectif, c'est quoi ton objectif? Bah, champion, hein. Prendre... Mieux les rotas, les... Parce que des fois, je fais des moves un peu stupides. En revanche, au niveau des punch-haul, là... Je suis chaud, hein. Que si t'étais champion, ça te permettrait de plus ken dans ta petite ville? Non, non. C'est juste satisfaction personnelle. Ok, ouais, et puis pour ton bureau aussi. Hein. Pour la santé de ton ouais, bureau, aussi, quelque hein. part. Ton principal atout sur Rainbow Six? Le self-control? Non. Enfin, si, maintenant, si, ça va. Ah. Peut-être régulier, on va dire. Quand j'ai pas des phases où je vais être naze, et après fond à balle. Comment ça? Bah, tu sais, des fois t'as des descentes aux enfers. Ouais. C'est que tu joues pas très bien avec tes mates, tu donnes les mauvais calls. Oui, je vois. Ben, ok. Moi, je suis assez constant, je suis pas à descendre à ras de terre. Et la plus grosse faiblesse? Genre, des fois, je repique comme un toto. Greedy, du coup. Ouais. Combien d'heures de jeu par semaine? Ça varie. Grosso merdo, c'est pas la police là. Pas pour tout. Pas tout de suite. 15h. Ah, 15h, ok, ça va. Attends, je peux juste aller dire à mon père d'aller manger tout seul parce qu'il m'appelle. Oui. Oui. Merci. Il est dans la cave. Oh là là. Le Nutella qui m'a envoyé ça quand même. On va tous mourir. C'est moche de se moquer, Six. Il y a quand même une petite ressemblance avec Damer. Hein. On en parlera tout à l'heure. Non, hein. Aussi, si, si, la photo. Il est blond. Comment tu sais qu'il est blond? Bah, j'ai regardé la série. Pourquoi? C'est une VOD? C'était pour ce train? Ça disait du bien sur les réseaux.
Ok, ok, du bien. Oui, oui, bah oui, c'est ça. Oui. Quelqu'un a mis son mode préféré, c'est otage. Du coup, on lance. Tu veux un coaching avec 6-4 ? Va voir sur Metafy ou DM-le directement sur Discord. Bonne vidéo. On est sur quel type de ranked là ? Les gens sont majoritairement émeraude. On n'a pas vu le tracker au début ? Non, normalement c'est émeraude. À peu près sur le niveau que je fais actuellement. Là c'est une... Ok. Bon, moi ce que je vois dans le problème, c'est toute une accumulation de choses qui ont fait que, ok ? T'es parti dans une espèce de logique de te dire, bon bah je vais pas avoir de teammate. Alors tu t'es fait bannir de la R6DB, etc, machin, voilà. Mais t'as pas forcément essayé de te dire, quand bien même tu sais et tu connais Rainbow Six, quand bien même tu sais que t'es désavantagé quand tu pars tout seul, quand bien même tu sais que tu peux partir face à des squads, quand bien même t'es assez intelligent et tu connais Rainbow Six assez et t'as assez regardé de contenu puisque tu me parles de Bolo, tu me parles de Sheiko, etc. Tu t'es déjà venu sur mon stream. Tu sais du coup que tu pars avec, comment dire, tu pars avec un désavantage. T'as pas fait l'effort de. Ok ? Et du coup, qu'est-ce que ça va faire ? Bah du coup, tu t'es dit, bah je vais tomber dans la facilité de partir en solo. Et sachant que tu pars en solo, bah tu tombes un peu dans ce que moi j'ai fait pendant 2 ans. C'est-à-dire que, enfin, malgré le fait que pourtant, bah moi, il y a mon chassé le naturel, il revient au galop. Quand bien même je tombe en solo, j'essaie quand même, avec les 4 pélos qui n'ont pas forcément envie de parler, de créer une symbiose ou une espèce de coordination, de stratégie, et en particulier en attaque, pour essayer de faire tomber à minima les objectifs primaires. Le T1, l'armurerie, le grenier, pour aller prendre le top. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Le problème, c'est que, bah, toi, tu l'as pas fait, ça ? En vrai. Donc, la question, c'est, est-ce que tu as envie de changer pour atteindre tes objectifs ? Et ça veut dire parfois changer certains aspects de sa personnalité, ça, parce que, bah, y a des trucs, tu le contrôles pas. Surtout que tu as une bonne communication, tu parles en anglais. Moi, j'essaye. Non, mais c'est bien. Non, mais on s'en fout, les Français, on aime bien se tailler en anglais et tout. Mais tu as bien dit top white stairs. Bon, point, déjà. Ouais, mec, t'es bouché, t'as pas fait un bac plus 5. Voilà, bon, là, t'es en train de regarder ton téléphone portable, tu vois. Ouais. Donc là, c'est un snowball effect. Je sais pas ce qui va se passer sur le round. Le snowball effect, c'est l'effet boule de neige. La valeur du temps dans les jeux vidéo, et en particulier sur Rainbow Six, n'est pas la même. Les 7 secondes de droning en phase de préparation ne sont pas équivalents aux 7 secondes de fin de round, bombe plantée ou bombe pas plantée en 2v2. Forcément, oui. Il y a une intensité, une valeur de ces secondes qui est beaucoup plus importante. Mais néanmoins, c'est les mêmes secondes. Chaque joueur champion, au moment où il passera là, va regarder la boîte noire qui est ici. Chasser les drones, c'est devenu un truc en champion. Maintenant, d'avoir... putain les gars, nice, 3 drones, 4 drones en moins. C'est hyper important. Mais forcément, on va pas en parler. Forcément, c'est pas des skills. Forcément, personne va faire une compilation YouTube de cassage de drones. On saura jamais, du coup, s'il y a quelqu'un au niveau de ce top de la passerelle. On est parti, sans le vouloir, là. On essaie de me dire, j'ai envie de devenir bon au poker, mais j'ai pas envie de comprendre comment ça marche, en fait. Tout à l'heure, quand tu seras à 14 secondes de la fin et que tu rateras ton clutch en 1v2, tu vois, eh ben, tu me diras, putain, j'aurais dû mettre la tête sur le deuxième. Et moi, je te dirais, bah non, t'aurais pas dû aller sur TikTok au début, t'aurais dû avoir l'information de la tour rouge, t'aurais pu faire exactement la même chose que ce que t'as fait et en étant pas emmerdé peut-être par l'EDF que tu vas rencontrer. Et au final, les 30 secondes où toi, tu te dis, oh, c'est bon, c'est tranquille, au début du round, c'est là que tu les payes. Bon alors, j'apprécie aussi la plupart du temps, quand on veut utiliser un florès, le premier florès n'a pas la même value que les autres florès, comme Twitch, puisque après on est annoncé sur le florès, donc les gens s'attendent au florès. Ouais. Donc en règle générale, ce qu'on essaie de faire effectivement, c'est d'utiliser son drone pour prendre l'information de quelque chose qu'on veut casser, et d'aller le casser le plus loin possible. On commence par le truc le plus loin, avec le potentiel le plus risqué au final, et après on va chercher les trucs qui sont juste à côté des portes. Le mauvais florès, c'est celui qui se serait retourné au niveau de la porte et qui aurait pété la Mélusie en se disant « Ouais, chouette, oui, mais il est annoncé maintenant le florès. Il servira plus à rien. Les gens vont s'attendre à ce qu'il y ait un florès, vont attendre avec un florès, ils vont s'attendre à ce qu'il y ait un deuxième qui arrive. » Pour le moment, les deux rounds sont similaires pour moi. Tu fais des choses qui servent pas à grand-chose. Ils ont pas ouvert la trappe. Hein. Si. Rien, il y a rien. Il y a rien qui va sur le round. Il y a rien.
Bon, heureusement, hein. Vous êtes avec des mecs en face, c'est Totoland aussi. Hein. Et là, Vigile, Le Lésion, Mozi tout à l'heure, Pat Kaïd. On est vraiment dans le summum de la game de Rainbow Six de merde. Où au final, la raison pour laquelle on gagne, c'est parce que les mecs en face de nous avaient encore plus envie de perdre en fait. Gros, ouais, mais pile au moment où tu parles, y'a l'autre team décale. Un peu de mauvaise foi aussi. c'est bien de le reconnaître, hein. Ok, Mary. Oh. L'un des premiers points, c'est... Et ça changera tout. Faut que tu joues avec des teammates. Faut que tu trouves des teammates. Mais c'est pas possible. Et, du coup, la salle de briefing, ça marche encore, non? Il y a des gens dessus ou... Ah, mais je suis ban, ils veulent pas me déban. Ah. Mais qu'est-ce que t'as fait pour être ban? Je crois que j'ai dû insulter un modo. Ça fait longtemps que je peux utiliser Wamai. Mais il a la coque en plus sur sa MP5 maintenant. Ah non, il l'a plus. Il l'a plus? Non. Et sur le... Il a toujours le Hog? Non, il a plus rien. Attends, il a pas eu le Hog à un moment, Wamai? Oh, je sais plus. Le Hog, c'est le Ster Hog. L'arme de... La seconde arme de IQ. Bah je la joue jamais. Il avait jamais ça? Qui a le même niveau et qui voudrait jouer avec FR? Oui. Il a l'arme mais pas la cog. Hein. Ah ouais? Il l'a toujours. Les gars, si vous êtes diamant... Je veux bien mais j'ai peur que si on gagne pas, je finis dans un baril bleu. non mais jouons ensemble. Faites Discord là, allez le PV maintenant là. C'est le même pseudo que celui qu'il y a sur sa cam. Et allez-y. Faut se sociabiliser hein. Nice. Yeah, very good bro. Very good hein. Bravo. Grosse. Et là c'est incroyable. En règle générale, les mecs ils s'insultaient 3 secondes avant parce que t'as pas ouvert le truc, etc. Là mon gars, il y a du suçage de queue quoi. Là ça gobe bien quoi. Yeah, very good et tout. C'est nul à chier. Il y a pas de construction. Et la raison pour laquelle ils gagnent son duel, c'est parce que les autres sont encore plus débiles que toi. Ils jouent très très mal lors de V1. L'autre au niveau des White Stairs, il s'était perdu. Il pensait qu'il était sur Minecraft, ce fils de pute. Mais là les gars sont quand même là. Yeah, very good. Oh. Insupportable. T'es un mec trop intelligent pour jouer un opérateur à part de responsabilité. Doc n'a pas de responsabilité, j'en ai rien à foutre s'il... Hein, s'il heal ou machin, etc. Voilà quoi. Tu peux le sortir à la limite. Tu peux le sortir si c'est situationnel et tu vas me dire ok je le prends parce qu'ils ont l'habitude de jouer du Capitao par exemple dans la librairie sur Chalet ou Top Catwall sur Chalet. Pour les autres. Sur Clubhouse. Pourquoi pas? Mais là, par exemple, qu'est-ce qui aurait pu être bien casse-couille quand même? Kaïd ici, ça aurait été pas mal tout à l'heure. Ça les force à jouer à Maverick, ça les force à jouer ensemble. Ils savent pas jouer ensemble. Voilà. Je suis Damant 0-13 de KD, je préfère largement win que être top frad. Bah ouais. Quand t'es nul, tu persistes. Tu pouvais l'arrêter le truc. Ah, tu l'as fait exprès pour pouvoir le tirer dessus? De quoi? Le drone. C'est... Ah oui, avec la cam? Ouais. Non, j'y ai pas pensé. Ok. Je pensais que tu l'avais volontairement laissé du coup pour... Putain de blague. Listen, I'm coming to blue. Ok. Bon, là, s'il prenait la ligne, t'es mort, tu le sais ça. Oui. On est d'accord? Faudrait que je joue le 90, le P90 avec la cog, n'empêche c'est sexy. Ouais, je sais. C'est sexy à jouer en tout cas. Ah déjà c'est un bon début. Il y en a un qui joue avec les bons que je viens de donner, il prend un banal, instant. Hein. C'est sexy les enfants dans ta cave. Bon heureusement que t'as pris Doc. Hein. Oui. Ouais, il bouge pas. He's in the corner to the right. C'est ce que je disais, je suis un jarpic.
6 macroniste. C'est 6-4, hein, pas 49-3. Nice pixel. Thank you, bro. T'as qu'à venir à 6. Oh là, tu parles à qui? Au mec dans la cave? Un mec. Ok. Mec qui dépasse encore du tonneau bleu. Pas envie d'être super sérieux non plus. Vas-y, j'y joue, je TikTok sur le côté et tout. Voilà, c'est ok en fait de faire ça, quoi. Mais c'est un commun qui bride, je pense. Oui. Donc, je me concentre un peu plus, je deviens plus sérieux dans le jeu. Exactement, exactement. Wow. Grosso modo, tu pars avec allez, ne serait-ce que 2 teammates pour être 3, la majorité. C'est toi qui décides du ban. Hein, c'est toi qui décides de pas mal de choses. Tu décides de la strat. À 3, tu fais des choses. Ok ? Bon, le mieux, c'est 5, bien évidemment. Ok ? Tu pars avec 3 teammates, ou enfin 2 teammates pour faire 3, enfin, t'as compris. Et t'es un peu plus sérieux, tu lâches ton TikTok sur le Teco. Bah, tu verras, le niveau de jeu va augmenter. C'est quoi le bomb site ? Kitchen. Et l'autre bomb site qui restait, c'était ? Pas le dining. Pas le... Kitchen, non ? Non, bah, la kitchen, c'est là où j'étais au début. Ouais, et l'autre bomb site qui reste ? Eh ben, c'est bah, la salle à manger. Pas le dining. Non, c'est kitchen. Là, le bomb site que vous avez pris, c'est kitchen. Oui. Et l'autre bomb site qui restait que vous auriez pu choisir, c'est meeting, kitchen. Pardon. Kitchen meeting. Oh, non, mais ouais, c'est mais la blague. J'avais pas compris comme ça. Non, mais je l'ai posé la question sur Twitter l'autre jour. J'ai dit, les gars, après avoir gagné en bas en défense et en haut en défense sur Oregon, quel est le bomb site que vous prenez ? Les gens me répondaient, kitchen. Bon, pourquoi pas les castles ? Alors, on va voir l'importance de la clash. Hein. Moi, la clash ici, elle est sexy. Hein. Les Wamai derrière et le fait que tu sois agressif, bah voilà, c'est parfait. L'aurais-tu fait et l'aurais-tu fait aussi bien si la clash avait pas été sortie ? Nous verrons. Je connais pas l'issue du round. Tout le temps. Ok. Tout le temps. Ouais, mais si t'as pas de shield à gauche, tu te fais enculer là. À gauche. Là, à ta gauche, au niveau de la porte, là où il y a la clash. Si tu mets pas un truc pour swinger, tu vas te faire défoncer. Bah, en fait. Quand on est, je sais pas pourquoi, c'est très souvent qu'ils attaquent par là et jamais dans la kitchen. Donc à gauche, en vrai, je suis free, enfin je suis tranquille. Tu veux dire que là, tu vas rester dans ton corner là ? Ah, pas tout le long. Ah si, je l'ai fait des décals sur la fenêtre, ça dépend comment ça joue. En fait, j'empêche surtout de monter au top pour péter le wall. Ok, bon alors permets-moi de te dire que ça, c'est un move qui va passer que contre des gens. Enfin, dès que tu vas arriver dans des rangs supérieurs, c'est un move qui passera plus quoi. Non, moi, cet impact, elle est pas mal, cette ligne, parce que je pense que ça surprend des gros totos, quand même. Oui, mais c'est souvent que je prends un kill facilement. Ils arrivent à me mettre leur tête. Mais même en dronant, ils arrivent des fois même pas à me voir en dessous. Avec une Azami au-dessus de toi, ce serait incroyable. Ouais, tu as une ligne sur la fenêtre, là ? Oui. En se collant contre le mur, ça fait la ligne. Pixel. Ah, là où j'étais mis ? Ouais. Ouais. Ah, je savais pas. Non, c'est marrant ça, hein, tu vois. Comme quoi, on apprend tous les jours. 90, Yann is 90. Come 90, bro. I need to help. Elle est trop pute, cette ligne. Je la connaissais pas du tout. Classique. Nice. LOL. T'insistes quand même, hein. T'as envie de le faire ton kill, hein. Bon, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont été dites. Mon cher Clémentin, si tu as des questions pareilles, tu n'hésites pas. Ce qui se passe ensuite, comme d'habitude, moi, tu me laisses 2-3 jours à peu près pour regarder les VOD, etc. Et en particulier la game, parce que elle est intéressante en contenu, on va pas se mentir. Et donc, de te faire après, de t'envoyer un programme personnalisé pour l'atteindre des objectifs, à savoir champion, quoi. Maintenant, si t'as des questions, tu peux me les poser maintenant ou dans tous les cas, mon Discord est toujours ouvert. Ça fait partie du truc. Il y a un suivi. Moi, j'aime bien avoir que les personnes viennent me dire voilà, j'en suis là, etc., etc. Je suis rendu là. Voilà ce qui se passe. Ou alors, je suis bloqué là, j'y arrive pas, machin. Dans tous les cas, ce sera marqué dans le programme que je t'enverrai. Est-ce que ça te va ? Est-ce que tout était bon ? Est-ce que t'as appris des choses ? Est-ce que c'était cool ou pas du tout ? Ah oui. Ok, ça marche. Tu t'attendais à ça ou tu voulais autre chose ? Bah non, parce qu'en regardant tes coachings précédents, je savais à quoi m'attendre à peu près de toute façon.
Néanmoins, je vois quand même des overpicks, je vois quand même des ce manque de... Bah, c'est un boucher, quoi. Alors que Rainbow Six, quand on veut être champion, faut être un chirurgien. Hein. C'est bien beau. Moi, j'aime bien découper de la viande. Ouais, mais là, faut y aller au scalpel, pour le coup. Faut être un peu plus appliqué, quoi, un peu plus soigneux. J'espère que t'as passé une bonne après-midi. Enfin, bonne soirée. Bonne soirée, plutôt. Et puis, et pourquoi pas les game viewers, du coup. Poulet, je te laisse. Je t'envoie tous les éléments sur le Discord. Merci. Allez, à plus tard. Ciao, ciao. Bonne bye soirée. Bye. Je dois avoir un poil dans le pif. Je vais aller passer la tondeuse, là. Ça arrête pas. C'est infâme. C'est insupportable. Ça me fait... comme ça, là, sur le teco. Tu veux. Likez, commentez YouTube. We'll be right back.